RDC est une et indivisible. De la population et de tout le monde, c'est que il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social. Pour suivre votre émission que vous aimez à chaque fois, Bosolo na politique officielle. Merci vraiment à tous nos très chers téléspectateurs, vous qui nous suivez na YouTube. Nous vous disons merci. Bozomi na mikili ya bapaya, isiko bozali na Europe, bozali na Amérique, bozali na Asie, bozali partout na Océanie, puis na Afrique. Tout singi na bino, merci, merci beaucoup. Et nous disons aussi merci beaucoup na ba téléspectateurs nyonso ba kota la biso pour l'instant na kati ya ba province nyonso ya République démocratique du Congo. Nous vous disons merci, très chers téléspectateurs. Tout rejoint, Basango, Toué, Ninié, Koleka, Nakati, Yambo, Kanabiso, Kino, Tokutanaki, Mokolo, Ya, Lobio, Elekaki, Tokutani, Penabino, Lissou, Lelo, Tolingi, Toué, Basango, Lulenge, Nini, République démocratique du Congo, Eko, Tambola, Tako, Population, Nyon, Soya, Kote, Tolingi, Maema, Koleka, Nangambo, Yago mate eko tungi sabandeko kino to banda bitumba oyoti lelo solution ezwa makate. Il y a toujours des cas de tuerie, il y a toujours des cas de viol à l'est de la République démocratique du Congo. Bato banso ba ko lever bâton. C'est pourquoi nous aurons deux invités na kati ya plateau na biso et avec eux nous allons parler de l'actualité politique à l'heure de plus en plus la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Parce que c'est il y a quelques jours que tout qu'on fêtait au Balobaka, la fête Nabiso, il y a la festivité, s'il faut dire, le 25, Mokolopé, les 31, les premiers, Batoubanso, Bakokota, Namboula, Sika, alors les pays doivent être calmes. C'est pourquoi les temps sont en train vraiment de s'élever pour la République. Nous allons d'abord prendre les informations du jour. Cessation de soutien au M23. Les États-Unis exhortent le Rwanda à honorer les engagements de Luanda. Massacre de Kishishe, Julien Paluku fait des révélations accablantes contre Kagame. Processus de Nairobi, clôture des travaux ce lundi 5 décembre après 7 jours de consultations. Félix Tshisekedi salue le soutien des États de la SADC contre l'agression rwandaise. La région du Grand Équateur est en proie aux inondations depuis environ 2 mois. Ituri, l'évêque de Bounia, dénonce les pillages des ressources naturelles. Monseigneur Melchizedek Sikouli déplore l'insécurité grandissante dans la ville de Boutembo. Sitkivu, un mort et plusieurs dégâts matériels à la suite des pluies diluviennes à Kalehe. Massacre de Kishishe. Les bilans font état de plus de 270 morts. Le gouvernement annonce l'ouverture d'une enquête internationale. Unikine, la création d'une mirai verte en bambou de Chine, a été amorcée pour stopper les érosions et lutter contre les changements climatiques. Les régies financières mobilisent plus de 770 millions de dollars américains au mois de novembre 2022. Dialogue de Nairobi, le fonds destiné à l'organisation du dialogue détourné. Massacre de Kishishe. Rose Mutombo, ministre de la Justice, à la haie pour solliciter une enquête de la Cour pénale internationale. SADC, Félix Tshisekedi exige le retrait immédiat et sans condition des troupes rwandaises et du M23 sur les sols congolais. RDC corruption, l'État congolais perd près de 27 milliards chaque année, selon le professeur Kabisa. Les premiers ministres appellent les Congolais à apporter leur contribution à la caisse de solidarité en faveur de vulnérables. Voilà tout pour les informations du jour. Bandeko Balandi, Toali na Katia Plateau na Bisso, na Bandeko Mibale Openza, Toko Kabola na Bango, s'il faut dire, soit nous allons réfléchir à haute voix sur l'actualité
politique à l'est de la République démocratique du Congo. Nous avons Nakati Aplato Nabiso, Mwalamboka Dia Banza, Ototo Mbeli Penza, Tolubi, merci beaucoup Nandenge au répondre à l'invitation Nabiso à Lelo. Mbote Mamelo, Mbote Nako débatteur Nangai, Mbote Nabato Nyon, surtout bas équipe technique Nayo, pour beaucoup Kolambe Loko Eko Manabandako, Mbote Nabato Nyon, Bazo Landabiso. Moi, précisément na Songololo, territoire à Songololo, Kimpese, Lumbi, Shengai, moi, na Batou, il y a Est. Assurément, depuis ma décennie, nous sommes dans l'obligation réellement de témoigner d'une certaine solidarité au Bandeau-Nabiso à Est, Bazo souffrir. Et ce que nous venons de vivre à Kishiche, je crois réellement, nos frères de l'autre côté, ce sont des héros pour société civile et Kenarola Kisaka. On voulait les adhérer, donc le recruter de force na Katia M23 ou na Makambo Itali opération yaba récolte ba minerai. Mais nos frères, bazo boya ou travaillé na Batouana et pas sûr au bazar ou yoka, toujours partageant ou. C'est vrai, ils ont ni toujours loin, ni toujours senti hanté, mais je crois pour une première fois, les lots bazo mona que Kinshasa se déploie après à peu près 25 ans. C'est en train de se déployer aux solutions à la crise à Est et Zoma. Voilà, merci beaucoup, Mwalamboka Diabanza. Nous avons Prince Epengé à qui nous disons bonjour et bienvenue à Katia Bosolona Politique. Bonjour, Mamelo Mbote Nandeko Diabanza, Mbote Naba Congolaise, Peba Congolais Banso, Bisika Nyoso. Bazali kolanda biso pona ko kabula makanisi na debalelo. Voilà, merci beaucoup Prince Pengé, merci aussi à Diabanza. J'espère que nous aurons un débat vraiment républicain, démocratique pour Batoubaye Bélé, comme on le dit toujours, télévision Ali Radio T, Batoubaye Bélé, il y a d'autres personnes qui sont déjà en direct sur Facebook en train de nous suivre et Aïbaye Bapenza, Makanis Namino Ali Nini, pour nous apporter un plus par rapport à la situation qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. Nous allons reprendre les images aux techniques Bissou, nous allons prendre ces images et Tozonga tout juste après pour commencer Penza notre débat. C'est avéré maintenant, depuis des années, même par les Nations Unies, que le gouvernement rwandais soutient les rebelles du M23. Des rebelles qui sèment la terreur, la mort en République démocratique du Congo, notamment à l'Est, où ce conflit a déjà fait des millions de morts. Nous savons donc toute la responsabilité du gouvernement rwandais. Et alors, que fait l'Union européenne? Que font les pays européens? On s'attendrait à des sanctions. C'est la réponse que l'Union européenne a souvent quand on voit ce genre d'action de la part d'un pays contre un autre. Mais non, non, les gouvernements européens décident aujourd'hui de renforcer leur coopération militaire avec le Rwanda. La France notamment annonce un renforcement de sa coopération militaire. L'Union européenne va donner 20 millions au Rwanda pour sa participation au Mozambique. Et les États-Unis, vous le savez, depuis longtemps, sont un partenaire très important du Rwanda. Tandis que vous savez qu'aujourd'hui, s'il y a un État qui vend des armes à la République démocratique du Congo, ben, il doit notifier les Nations Unies, ce qui ralentit, voire empêche, évidemment, la livraison des armes à un pays trop souvent et si souvent agressé. Cette politique, où on dit en mots, en paroles que nous respectons la souveraineté congolaise, mais en réalité notre politique, l'entrave et la sape, est inacceptable. Il faut cesser ça tout de suite, parce que nous avons besoin, et les Congolais ont besoin de paix. Voilà, merci beaucoup. Vous venez de suivre ces images. Ezali Penza Obalobaka, noir sur blanc. Il n'y a rien à commenter. Vous avez suivi la position après le conflit Kusa la Penza entre République démocratique du Congo et Rwanda. Le conflit Oyo est causé plus de millions de Congolais au Penza. Basili ko périro, basili ko tika mokiliai, des morts et des morts. Et l'Union européenne de bandai ko s'attendre, comme il a dit, bandai ko s'attendre vraiment à la sanction, mais c'est le contraire. C'est le contraire, au contraire, on dit bazali ko sapé ba congolais. Mwamboka, Prince Epengé, après avoir suivi image aussi, il faut dire la vidéo que nous venons de suivre tout à l'heure.
Normalement, Bisson, la République démocratique du Congo, ou soit on dit à la capitale, quelle doit être notre position par rapport à l'hypocrisie de l'Union européenne à la manifester vis-à-vis de la République démocratique du Congo? Parce qu'il y a toujours béquille dans Rwanda. Vous avez suivi, il a dit qu'on s'attendait à des sanctions, mais malheureusement, parce qu'on crée au contraire partenariat entre l'Union européenne et le Rwanda. Merci. Mama Mopanze Sango, Galiboso, Nakombo ya Koalisyo Lamuka, Nakombo ya Lingomba, Nabiso ya Dede Congo, Nakombo ya Président Eli Martin Fayulu, pe ba Congolais Banso, toko présente ba condoléances. Toko présente ba condoléances na ba famille Nyoso. Yabandeko Nabiso, Bazaki massacré. On nous parle maintenant depuis de presque 300 Congolais massacrés na Rutshuru. Na ba M23 to na armée rwandaise. Parce que M23 ezali branche et armée rwandaise ou ba pesi étiquette ya M23. To kaboli mawana mabota yowana nyoso. Bana ba mama lenge ba papa bazaki massacré sauvagement na ba 123 na Rutshuru na territoire Rutshuru na province ya Nord Kivu. Faut signaler que province ya Nord Kivu tino lelo eza toujours sous l'état de siège, un régime spécial exceptionnel oyozaki na vocation ya ko empêcher ba tuerie. Malheureusement, sous état de siège, 300 Congolais ont été massacrés. Comment est-ce possible? Qui a la responsabilité de protéger les Congolais? Tokobanda, vous continuez quand vous présentez ma condoléance. Oh, 3 jours de deuil national, ça ne veut absolument plus rien dire dans le contexte. Mais il faut faire quoi? Oui, parce que, à tout tient, 1000 ans, il y a des nationales et qu'on ressuscite, il va profiter. Pesa bango sécurité. Je l'ai toujours répété. Na ba groupe WhatsApp et blé, yabana ya Beni, Butembo, Goma, Rutshuru. Ils me disent ça depuis 2019. Que Molobele a peuple, prince et pengé, toi on a besoin d'un immeuble qui s'assate. Toi, on a besoin, il y a un musicien avec ça, awa. Toi, on a besoin, il y a un mitou canabino et un chè avec ça, toi, on a besoin de kimia. Na Rutshuru, awa, na Goma, na Butembo, tous allés qu'on produit, tous allés qu'on lia, tous allés qu'on mela, tous allés qu'on lata, tous allés qu'on protège mon cannabiso. Mais l'eau, comme on a cinq ans pouvoir central, à assurer biso sécurité. Malheureusement, au lieu d'assurer la sécurité, on donne plutôt ma condoléance. Donc, je ferme. La parenthèse, j'ai naoti comme on a déclaration il y a au sein de l'Union européenne. C'est ici l'occasion pour moi, Prince Epengé, de féliciter le peuple congolais. Parce que je suis profondément convaincu que malgré opiniâtreté, il y a bayo balingo ça la balkanisation, bayo balingo diviser biso, bayo balingo éclater Congo. Rappelez-vous que tango armée front patriotique rwandais n'a pouvoir na Rwanda. Je crois que mon président Liboso ben installa qui avant Kagamaya et Zaka président, je crois Bizimungu. Quand Bizimungu entre au pouvoir au Rwanda après prise de pouvoir na batuti na 94, Bizimungu avait dit que Esengeli un deuxième conférence de Berlin pour na ko revoir ba frontière ya Afrique. Et tango Bizimungu à l'époque président Rwanda za ko lobaye te faut deuxième conférence de Berlin pour na ba revoir ba frontière ya Afrique pour na ye Esengeli frontière ya Congo na Rwanda ba revoir ango. Va pousser frontière ya Rwanda et côte à sur la carte ya Congo.
Malgré tous ces complots-là, malgré ça, Sarkozy avait dit dernièrement, je suis convaincu que les Congolais ne permettront pas, n'accepteront pas, ne vont pas céder un centimètre de leur pays. Je le dis avec confiance, parce que moi-même, Prince Pengue, chaque fois que na kenda kanaba manifestation, le col là-haut à dimanche, tout ça là qui a wanaba catholico, les tates de Sambona maman va catholico, j'ai vu mes propres enfants me demander, papa, vous allez où? Vous allez marcher. J'ai dit, il m'a posé la question, ils veulent prendre notre pays, j'ai dit oui. Et donc, ça dit que nos enfants grandissent avec l'idée que Mbo Kanabiso, intégrité à territoire Nabiso, Mabele Nabiso, il y a un sujet, il y a une négociation. Et tant que nous avons manifestation dans Mbo Kamobimba, Bissou na la Moukana président Elito Bandiko Salango depuis le 30 juin 2019. À l'époque, on ne soupçonnait pas encore que M23 à côté de Moukana Bissou. Quand le premier Martin Fayulu a initié le 30 juin 2019, marche dans toutes les provinces. Il y a eu des millions de gens qui sont sortis. À l'occasion d'ailleurs, un des militaires de l'ECID de Fort Palouko a été tué par la police à Goma quand on marchait pour dire que ça n'est trop les massacres. Nous exigeons l'application du rapport Mapping. Parce que Kagame a fait le rapport Mapping na Rwanda. Nam c'est venu. Donc, les lots, ce que moni bamindele, yuana, babandiko longola, potinamiso, bamsouswe, ce n'est pas encore la majorité. Ba député msous européen, babandiko fongola miso, ba certains sénateurs américains vando fongola miso, certains députés britanniques vando fongola miso, et ali avant tout foui. Il y a mobilisation populaire. Et moi, au sein de la Mouka, et je suis fier des initiatives que le président Eli Martin Fayulu a jouées depuis jusque-là. Alors que certains disaient, Fayulu a lingué al marché pour la collecte sa popularité. Non. Il disait non, ce n'est pas pour la popularité. C'est pour avertir, prévenir. Quand nous, la Mouka, noire des Congo, tous nos alliés au sein de la Mouka, nous marchons en 2019, même les leaders ne voyaient pas encore si nous avons marché au Kosala contre la balkanisation. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas le cas de ça. Nous nous réjouissons, ce n'est pas une victoire personnelle, mais nous nous réjouissons d'avoir déjà commencé à mobiliser le peuple avant même que M. Souban a percevé le danger. Donc, Lelo, bravo au peuple congolais. Mais ce n'est pas encore suffisant. Nous voulons qu'il y ait un député Mogoté européen isolé. Parce que là encore, c'est 2 députés, 3 députés. Il faut arriver à secouer les cocotiers. Et ça, ce n'est pas l'affaire du gouvernement. Ce n'est pas l'affaire du gouvernement parce que le gouvernement fait partie du problème jusqu'aujourd'hui. En tout cas, vu les contextes, le gouvernement, il y a M. Félix Tshilombo, fait partie du problème et non de la solution. Ils ont tergiversé. C'est quoi, singinité, hein? Attaque au gouvernement fait partie du problème. Singinité, moi, l'amboka prince Pengaya na Oaye. Ma kanisi, moi, l'amboka kipe katumbia na Oaye, Kamira na Oaye, Fayulu na Oaye, non? Madame, unité à Bolingi, on t'appelle Oana au chef de l'État, ça la non, unité, moutoua sali appelle et Alibosso, la unité, Ezali, le président, le Martin Fayulu. Oui, il y a Bandara, il n'y a pas de confrère aux États-Unis. Il y a ça là qui est un militant. Non, Alibaki n'était un peuple congolais. Alibaki n'était à classe politique, puis il n'était à peuple congolais. Et Tango, il a prévoyé qu'il va marcher. Comme je vous ai dit, avant et après agression, il était toujours le premier. Mais lui et Félix Tshisekedi a s'adressé à une nation. Oui, Félix Tshisekedi s'est adressé à. En appelant à l'unité après Martin Fayulu. Ça, c'est l'honnêteté qui vous dit. Mais le plus important, c'est pas tout le cas, une espèce de promogéniture, il y a Makamboyouana, non. La question de savoir, le président de Martin Fayulu appelle à l'unité. Félix Tshisekedi a eu que Benga l'unité na Simanaye. Dans tous les cas, tout ça, vous voyez, la tenue n'a Benga qui le bosse dans l'unité. L'unité, Félix Tshisekedi a Benga qui, les animaux à l'amour. L'unité, le président de Martin Fayulu a Benga qui, les animaux à l'amour. Le plus important aujourd'hui, c'est que le peuple soit mobilisé. Mais mobilisé derrière son armée, pas derrière un individu.
Parce que je l'ai dit et je vais vous le démontrer ici, noir sur blanc. On soutient quelle armée congolaise? On ne soutient pas le président de la République? Non, mais c'est Félix Tshilombo, parce que Félix Tshilombo fait partie du problème. Il faut l'accompagner dans des idées, non? Non, non. Et si lui, à ce niveau ici, lui n'a que des actes. Or, qui ne pose pas les actes. Est-ce que pouvez-vous comprendre, madame, que je l'ai suivi hier, je ne sais pas ce qui se passe avec Félix Tshisekedi. Voilà ce qu'il dit. Le commandant suprême va soutenir Robert, le militaire va soutenir le commandant suprême. Non, c'est l'armée qui se bat, c'est les unités combattantes qui ont besoin du soutien populaire. Ce sont ceux-là qui ont besoin de soutien. Pas Félix Tshisekedi doit avoir un bureau climatisé. Azali Komelaza Kolia, ce n'est pas ce n'est pas le commandant suprême va soutenir non, les armées. Allons-y. L'armée congolaise ne comprend plus rien avec Félix Tshisekedi. Je vais vous donner un exemple. Nous sommes maintenant en 2004. Mutebusi a vu ville à Bukavu. Tous ceux qui baillent lire papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba. IDPS na biso to bima na nzela. On a kolobabu Bukavu yekendate. Je me souviens encore que Kendati na Monusco to tcha pito pare ya kosakanate na 14e. Tant to bima kana IDPS pour na koloba armée faut récupérer Bukavu. IDPS bima na nzela pour na soutenir Kabila. To soutenir kande armée ba récupérer Bukavu. Il faut faire le distinguo entre l'armée et le commandant suprême et des forces de l'armée. Ça c'est le texte. Donc la réalité est que c'est qui se bat au front. Tango, il y a 10 ans, M23 à Zouaka Goma, Bistobi Mapena Bandoka, il y a des Gome au Kendate. Kabila aussi va vantir, on a M23, Gome au Kendate. Tobi Makana Nzela pour nous soutenir Kagamete. Pour nous soutenir Félix. Comprenez pas, tant qu'on a encore ça, la confusion entre Félix et Gamme, parce que ce sont des frères, c'est difficile à les séparer. Donc, ici, l'armée a besoin du soutien du peuple. Et j'ai dit bravo au peuple congolais. Mais si quand nous sommes allés, batailleurs, professeurs d'université, enseignants, cambistes, banquiers, musiciens, tout le monde, maman, populaire, journalistes, nous sommes allés soutien à l'armée nationale congolaise. Parce que nous croyons cette armée, que l'armée est capable. Tu as la phrase où on a dit que le bas pour nous souki ça. Tango, quand M. Félix Tshilombo dit c'est le régime rwandais avec Paul Kagame en tête qui est l'ennemi de la RDC. Félix Tshisekedi dit que c'est Kagame, na armée, na à Rwanda, n'est pas ennemi à RDC. Donc Félix est le dernier Congolais. Il a couru 4 ans après. Que Kagame Azali est ennemi à Congo. C'est quand même assez. Beleli Yango Pelelote. Non. Agresseur, ennemi à Beleli Yango Lelote. Ah. C'est quoi ce qu'a Beleli Yango Lelote? Abinga qui est frère na Indegene. Frère, Kagame Azali, frère et à la fois ennemi. Vous voyez, na, au 21e siècle, madame, tu en as besoin d'un président, ou à Kosama Kamoloko l'a fait, etc. Nous avons besoin du président qui anticipe. Dans le Baka, dans le côté de l'homme prudent, voit le mal de loin. Mais Félix Tshisekedi Azali est un homme imprudent qui voit toujours le mal après. Il dit que Kagame, Félix Tshisekedi, je déclare ça avec 1 kilo d'acier, que Kagame est l'ennemi du Congo. En bon, papa. Mais pendant 4 ans, Yona Kagame Azali, bras dessus, bras dessous. Pendant 4 ans, vous et Kagame, vous avez bu les verres de vin ensemble pendant 4 ans. Vous avez dit au monde entier votre amitié à Kagame. Vous l'avez appelé l'allié plus que nécessaire. Mais après, ça ne va plus. Oui. Ah non, madame. Ah non. N'oublions pas que Toutina Félix est une opposition. Et dans l'opposition, nous disions également la même chose. Kagame était l'ennemi du Congo. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'une fois que Kabila a passé le pouvoir, il y a bien Kagame, son frère et ami. Est-ce que bien que Kagame a le président a écouté un aïe que le président sur le monde entier? Pour la ligne de président Congo Brazzaville, pour la ligne de Congo Brazzaville, pour la ligne de président Gabon, pour la ligne de président il y a Sénégal, ou président Burkina Faso, même pas président Angola, parce qu'avec l'Angola, on a une longue histoire
ce sont nos frères, et les, je dirais, et niveau Bantou, Baza, très proche de Nabiso Angolais. Pourquoi Kwenda Vutuka toujours na Rwanda? Talaba faveur Oyo Félix a pessi na Paul Kagame. Mais qui dit Kagame dit Museveni? Talaba faveur Oyo a pessi na Museveni. Ce n'est pas innocent. Il y a quelque chose, il y a Angusu Roche. C'est pourquoi la plus grande question aujourd'hui, il faut retourner à Félix, c'est que qu'est-ce qu'il avait promis à Kagame qui justifie aujourd'hui que Kagame puisse venir faire les recouvrements forcés de ces promesses-là? Tant qu'on Tokoloba Makambo face à face, on ne se dit pas de vérité. Ici, Félix Tshisekedi, il a qualifié Kagame d'ennemi du Congo. À partir de quel jour Félix arrive à comprendre que Kagame est ennemi à Congo? Non, on n'a pas besoin d'un président comme ça. Voilà, on a besoin d'un président qui anticipe. Nous sommes au 21e siècle. Mm. Un président qui ne voit qu'après. Un président qui vous dit qu'il n'était pas au courant. Non, nous, on a besoin d'un président qui est informé avant tous les Congolais. Or que Félix est informé après tous les Congolais. Non, non, non. Voilà, voilà pourquoi en 2023, les Congolais diront on voudrait un président qui anticipe et non d'un président qui subit comme Félix Tshilombo. Voilà, merci beaucoup, Prince Pengé. Diya Banza, vous avez suivi la vidéo ensemble avec nous ici au plateau. La vidéo est très éloquente. Et là, qui s'est quelque part que complot Oyo et Outi Moussika. Mais malheureusement, Bisso ba Congolais, quand on veut en parler, Tozo Lingato restreindre en haut, n'a pas problème interne. Pendant que Mouto Alobi, à la qui s'est noir sur blanc, la responsabilité de l'Union européenne, la responsabilité des États-Unis, n'a qu'à ta complot aux oignons qu'on a mis pendant des années. Mais ma grande surprise, Ndeko Nanga Tango Azo Loba, Azo contredire l'isolo à moto sur toute la ligne, que le député européen Marc Botenga était en train de mentir. Mais à la qui si biso que Ngongo Yobazo Tinde la Denis Mukwege, Mbongo, pour a réparer ma femme violée, soutien à l'Union européenne. De la même manière, l'Union européenne a zozo Mbongo, a zo Pesa, Rwanda. Et il est en train de se plaindre. Ailleurs, tout ça, la canine, ce qui te remarquait que les preuves sont avérées qu'un pays est en train d'agresser l'autre. Et il le dit qu'on a sémé la désolation pendant des décennies. Mmh. Mais à ma grande surprise, quand je suis en train de suivre mon frère Epengue, il se permet de dire, Félix, c'est le problème. Pendant que Yemoko a bêti du solo, qu'en 1994, pourtant, a tangi pasteur Bizimungu, Faye Bakazaki président, 94, ti je crois 2000. Et le pasteur Bizimungu était en train de dire qu'il faut pas récupérer Toba Zoua une partie à Mabélé à Congo. Félix n'était pas président. Yemoko m'a cité pasteur Bizimungu. Et il cite pasteur Bizimungu, mais il est en train de résumer le problème au président Félix. Et malheureusement, Azo confondre l'issoussou, l'individu Félix Tshisekedi Tshilombo na commandant suprême. Quand tu dis toi soutenir Félix Tshisekedi, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord. Parce que Ozalana est concurrent dans Makambo et Tali élection en 2023. Et nous respectons leur point de vue. Mais tant que Komi Koloba va soutenir tes commandants suprêmes, ou tu ne comprends pas ce que tu dis, ou tu es en train de dire des choses par haine, animer l'esprit, Yakobo Makongo, pour les autres à l'intérêt dans l'individuel. C'est ce que je me dis. Nous devons comprendre une chose. Naka tianda kunangai. Oyo ya yo mamelo na poni ya yo. Mutu akoti abandio beta yo. Mwana na yo moko amobali ba soupçonna ki e moyibi to eloko moko songolo. Avandi verite na noyebanite, tant mutu ana koti po beto na kati andaku mwana no alobi na kobunda te ti verite koyebana na likambo na ngai. Malgré ba soupçonna ki e. Ale moko abandio bunda. Oyo wana soki mutu akoti soka leki makasi. Ako boma mamelo, abomi owana, et puis tant ako sili sa, mena même na mouto abo aki ko bunda, ako boma ye. Dans le contexte actuel, je suis en train de me dire, il faut nécessairement la mouka et kende na ko comprendre. Nous le savons nous tous. Mais bazo bete li solo a inite tout à l'heure. Mais bazo bete li solo a inite. Et Ali Martin Fahimunde a banda li solo a inite. Bazo lo ba, en arrêtat. Bazo lo ba kombo ya unité, mais bazo kabola Congo na message na bango. Moutouali Bossoa Lobi, nous allons déstabiliser la République pour que les investisseurs baillatent. Et ça va tout à la mouka.
C'est sur les médias congolais. Nous allons déstabiliser le Congo pour que les investisseurs ne viennent pas. Eza Mutuala Muka, et à l'époque, la personne en question devait être le président de la plaque, le président de cette présidence tournante. Présidence tournante, il y a la Muka. Mutuabeta qui dit Solowana. Et nous comprenons quelque part que bah, garder réellement position à Bango et à Kolingate Congo et mettre hors état de nuire adversaire Nabissou. Et Yesusu a emboîté le pas à Ndeko Failou. Il y a une mobilisation à catholique Zaki au rabais. 50% au rabais. Zongi sang on époque à Kabila. Naba policier bazaïko tiré na katia l'église. C'est le Congo tout entier qui était en train de bouger. Président Martin Failou a sali appel pour Batoubaya. Nous avons remarqué que Batoubazo couar na bango li sousouté pour discours na bango et zo divagué. Soit vous voulez défendre le Congo, soit vous êtes en train de combattre le Congo. Et le président Martin Failou, discours naïe, na discours à Kagame, et comme Okutana. Bango mi balé, bazo loba, et loko moko. Vous comprenez directement que la frustration ne permet pas au président Martin Failou de faire le pas vers le changement ou de permettre au Congo et kende de l'avant. Na yo ki yoko beta li solo et appel. Appel à Ndeko Failou, les alaki pour la bloc patriotique. Pour la vérité des urnes. Na unité ya senga ki wana. Ba sangana na Kabila. Oh, ba c'était ça. Ya le bien senga ki na na ba sala marche. Ba sala marche au Kabila tindela bango 500 000 et 500 000 dollars wana mutekabola bango na muzitu. Pense penge beaucoup à nous. Nous le savons. Nous le savons. Ça n'avait rien à voir avec la guerre d'agression. 18 ans de la du règne de Kabila, Kabila a fermé les yeux na makambeta la ki Rwanda. Et il faut y bali sousunde konangai. Mutabomi Abel, nakacha Bible, c'est son frère, Caïn. Il ne cesse d'être son frère parce qu'il a tué. Il a tué son frère, mais c'est son frère. Kagame, c'est notre frère africain. Mais malheureusement, notre frère africain, au lieu de travailler pour l'intérêt de l'Afrique, diaboliquement, il reconnaît et il de s'enorgueillir. Pour Beta di Solo, il y a un champion de guerre. Nangongo, biso toujours Beta di Solo, il y a démocratie. Et Naki, champion de guerre, il est allé loin de traiter le Congo de tout ce qu'il voulait. Mais le président, en communiquant, il a fait voir aux Congolais, nous devons aider réellement nos frères du Rwanda aussi. Pour Balongwa, na musellement, au Ndegonabiso Kagame, à Tchabango. Et Kagame aussi, pour continuer, il y a des éléments qu'il doit nécessairement comprendre. Pour les longs qui les fungwama, et Bandobet Ali Solo, la tactique, la stratégie a été définie par le président de la République. Le président de la République, ton Azo Yamba, Nalanda et la TV, joue Bazo Pesandeko Gims, passeport à tant qu'ambassadeur pour le Congo, Nadadjou. Nalanda yé, Kolo Babilo Baloba, sur cette démarche. Mais c'est que notre ami, notre frère Gims vient de nous donner par sa chanson, Azui, na renommé mondial au Azanango, na Coupe du Monde à Fongola qui peut à clôturer, il a parlé du Congo. Et Lelo, Gims était en train de le dire, j'ai remarqué que toutes les antennes, il y a ma chaîne française, bazan a silence. L'isolo ya liwa ya Congo, babeta kayangote. Yango na beti li solo ya Kagame, Kwagame rime avec Kagame, Kagame rime avec Kwagame. Et quand je le dis, j'ai compris aujourd'hui que les questions viennent de partout. Pour expliquer, moi, Morso Nzemboana. Et Morso Nzemboana, ils ont lié na baliwe et salami na Congo. Et le président Félix était visionnaire. Ayant compris que ma chaîne internationale, et ça qui n'a qu'à complot, il fallait nécessairement tout délier Balang Nabango. Et Balang Nabango, comment Fungwa Makan, il a si bien dit, la mobilisation du peuple. Et de cette mobilisation du peuple, ce sont les leaders populaires congolais, Moutoubala Moussibatou, au Moni de Gonanga et Lokola Bakambu, tant à Zan Sepelabi, à Kani Mounoko, à Sali Gesto, pour dire qu'il y a un complot du silence. Et de ce complot, ton Moni va Sénégalais, Balandi Bissot, va Salé Bissot et Lokoana. Pour Nanini, bah, stars congolais, ils se sont réveillés parce que les stars congolais ont été sensibilisés par le gouvernement pour pas qu'ils ne comprennent ce qu'il fallait réellement faire. Et Narosengasu Nandegonanga, une fois de plus, va comprendre que l'unité, nous en avons besoin. Ce n'est pas le président Félix qui est visé.
Ce n'est pas l'UDPS qui est visé. Appel à moi, on dirait. Mais c'est le Congo qui est visé. Appel à moi, chef de l'État. Mais bien sûr, pour intérêt, nous avons ailleurs. Mais les Lopo Moutoyo, Marc Botanga, Aloba, Anthony Blinken, Aloba, André Flao, Neto Solano, il y a 20 minutes à Outso Tuté pour le même problème. Et il a utilisé le même discours dans Marc Botanga. Quand il l'a fait, André Flao, c'est parce qu'ils sont en train de comprendre que le langue, c'est des liens. Mais les langues, ce sont des liens grâce à qui? À la stratégie mise en place par le gouvernement. Et de cette stratégie, il fallait commencer quelque part. Où est-ce que nous avons commencé? Tolinga kito la kisana monde entier que nous sommes ouverts. Le vrai problème du Congo, nous devons le dire, film à Thierry Michel est éloquent et là que nous sommes victimes de nos richesses. Et victimes de nos richesses, il faut bien le dire, Mamelo, victimes de nos richesses, 1885, Bakabola Congo loko la patrimoine universel. Bapé Siango le plus faible de gestionnaire au Azala qui présent la conférence de Berlin, Léopold II. En époque wana découverte il y a caoutchouc, révolution industrielle pneu. Ah bazo katama beaucoup. Tant que Léopold II a commis si Congo ya yemoko. Campagne salami contre e ba pesi en Belgique. Deuxième guerre mondiale, puissance commis, pose à la puissance militaire uranium. Il faut bombe nucléaire. Congo lissousou. États-Unis abimi puissance mondiale. Mais lelo, c'est quoi? C'est les coltons. Il y a d'autres minéraux, comme le président est en train de le dire, nanou richesse wana en termes de découverte scientifique et monanité, mais nous en avons. Mais ni il faut ça là. Il faut nécessairement pour arrêter ça. Bande konanga le quoi bepenge, faut bâtir kakota la Congo na prisme ya parti naye. Faut à la Congo d'une manière générale, qu'il y ait un complot international contre le Congo. Ce n'est pas une histoire qui concerne le président Félix. Trois décennies, nous avons vécu cette guerre. Naïebi Sakye, la fois passée ici sur le plateau Oyo, Kende Kotanga, la stratégie du chaos n'a du silence. Définie réellement par l'homme européen, attend à Colette Brackman, enjeu congolais, à au moins que le travail est fait de l'extérieur, n'a ba capitale à Bamboka Minene, Washington, Bruxelles, Paris, contre nous. Et il doit avoir encore cette information. Nangongo Obiso Tojo Bundapo réellement Makambo s'est délié. Macron était en train de faire des démarches diplomatiques. Est-ce qu'il y a moyen Alakissa dans le monde entier que le président Félix est avec Vladimir Poutine, il risque réellement de donner l'essentiel de ses minéraux à Vladimir Poutine. Donc, nous devons comprendre que dans le contexte actuel, le problème, c'est nos richesses. Mais non, la RDC, ça n'a rien à voir avec la personne. Nakacha guerre sur le plan communicationnel. Tout ça déjà. Ce qui est vrai, même si le chef ne le déclare pas, Bisounio Stoebi était République démocratique pour l'instant, toi, il y a un état à guerre. Il n'a ni été au causé là. Ou soit, on s'affiche à côté à Russie. Il y a deux choses qu'il faut comprendre réellement. Même quand on est la grande puissance américaine. Nous avons peur de s'afficher ici. Même quand on est la grande puissance américaine. Et ripé les camingi, pour la minute comme ma Italie action, mon amour. Même quand on est la grande puissance américaine, pour qu'il y ait la guerre, il y a stratégie, il y a balier la communication. Ce qu'on est déjà en haut, tu risques de perdre la guerre, la logique, il y a Hitler. Puissance militaire, en 1939. 40-45, il a perdu parce qu'il avait négligé la communication et la stratégie des alliés. Nangongo tozo beta li solonga na yo, biso, raison na biso ya guerre et komo zwa aval. Po nanini, nazara ki nande kwe penge a na plateau. Alobi akor a Luanda, tinate, lulululululu. Mais le lotong Anthony Blinken, alobi, nous avons eu réellement un débat fructueux avec le président Paul Kagame. Sur quoi il s'est basé? C'est l'accord de Luanda. Pour Ayebisa, Ndeko Kagame cesse de soutenir le M23.
Donc c'était, je l'ai dit ici sur votre plateau, c'est une victoire diplomatique qui peut nous permettre... il faut en premier lieu raison valable dans la stratégie militaire. Dans les lits, sous état de siège, c'est malheureux. C'est malheureux. État de siège, et ça, une option à caractère de gestion. Compte tenu, et le mécanisme est défini dans la Constitution, compte tenu d'un problème qui est en train de surgir pour ezonyokola la vie quotidienne de Congolais. Nenge moko. Ben en caractère de gestion. Nenge moko. Nenge moko n'est d'urgence sanitaire. Ayez po nanine. Ayez po. Dans la vie quotidienne du Congolais, il y a un problème qui vient de surgir. Oyebimisi qu'il y a danger. De ce danger, il nous faut des options d'urgence pour tout résoudre le problème. Et au Congo aussi, nous avons ce problème. Et mécanisme, il y a état d'urgence. Et ça constitutionnel. Et ça constitutionnel. Algérie n'a guère n'a celle n'a 6 ans. Ce n'est pas pour autant guerre aussi là. C'est une option qui te permet réellement... Il y a qu'on restreindre ma liberté, on gère dans la logique. Il y a problème, Bozana. Et de ce problème. Et de ce problème. Et de ce problème, élément Liboso, au Landi, le Soussoumoundelo, Anako Beta, le Solo, il y a difficulté, Tozanango, et Rosomba Mandoki. Ralentissement, au Tozo, Zoa Poto possédé Mindouki. Au Landi, secrétaire général, il y a Nations Unies, Kobeta, le Solo, M23, Zanaba Mandoki, il y a armée classique. Et puis son arrêté à Rwanda, nous nous sommes battus aujourd'hui pour réellement tous à la paix, ils sont en possession des avions. Tomatissa, budget armé, Namasolo et Tali, loi de programmation. Je crois dans le contexte actuel, notre débat, il faut cesser de retourner dans N.O. Bozanango contre le président Félix, mais tout vendisango, Nabolingo, Tozanango pour le Congo. Congo est à la préoccupation de la biseau première et non nos intérêts à caractère partisan. Pour ceux qui ont bandé au Kandeko, président, il y a parti presse, osons comprendre qu'on dirait Kagame Mutazoloba. Tu comprends quelque part qu'il a même besoin de décourager nos militaires au front. Pour Kaka, il y a tel intérêt. Mais c'est malheureux. Le pays est notre. Ce n'est pas l'UDPS qui est visé. Ce qui est visé dans le contexte actuel, il faut aller bas sur le Congo. Il est même en train de torturer l'histoire. Et contradiction, au monana, bisimou ou non encadré, moyen à problème l'élo, au résumé, on a président Félix. Et on l'a qui se dit sous Poko Sabatou, que tant au président Martin Fayoulou a salé appel à la bloc patriotique, ça n'avait rien à voir avec cette guerre. Voilà, merci beaucoup, Diabanza. Merci beaucoup. Voilà, Moka, Prince Epengé, Tozongi et Painayo. J'espère que tant on a demandé que tant à Penza, Basango, Oyo, Tobongse Laibino, Puna Mokoulou, Alélo. Il y a le 6 décembre, on a tout le temps qui, massacre, et le qui, on a kati ya kishiche, au bilan penza, ils allaient qu'on faire état, il y a plus de 270 morts. Le gouvernement Koutou a annoncé ouverture et enquête internationale. Moi, la mboka, Oyo Soussou, et Banjo, et Ali Kambo, Nini. Dialogue, s'il faut dire, accord, il y a Nairobi. Aussi, c'est ma consultation. Qui nous a dit lundi? Ici, à l'élo. Ici, à l'élo. Bah, il y a un farango, il y a un débat de délégation. 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 Il y a Nangambo ya masisi kuna balingi bande ko ya Kagame balingi ba exploiter coltan nangambo ya masisi na yebite ikanishwani ya lindengeni. Merci pona motuna mama. Je crois que na kozala cours contrairement de ko dabanzo ya mele makambebele je le na comprendre te vraiment le ko ni koloba parce que asali populisme mais ba Congolais balingi ba yo kali sukulu ke pesa bango direction tokokenda bango nde bazali na pouvoir atako bazoka kona ndeka kimuibi mais bazako pesa orientation te nini bazali ko sala poto zwa kimia kaso bandoko lo mama kambo ya Kenya kuna urandaki communiquer ya Uhuru Kenyatta nako tanga tuti ya confrère na yo sanyumbu ya Kira alobi je suis prêt à dire
au monde entier qu'il ne faut pas donner de l'argent à ces gens s'ils sont incapables d'organiser les pourparlers dans les bonnes conditions. Donc, il faut que les gens qui sont à l'État à Congo, pour que nous puissions nous Kenya. L'organisateur de la Kenya, il faut que les gens qui sont à président de Kenya, il faut dénoncer le monde entier que les gens sont détournés. Donc, il faut que les gens soient parler à Kenya, lobby, Mokolo ya lundi. Mais la délégation à Congo, il faut que les gens soient à Kenya, il faut que les gens il y a un médiateur, il y a un médiateur qui a fait la Falanga. Qu'est-ce qu'il y a l'État Congo de Bimissi Falanga peut même en Kenya? Monique Bateau, tout le monde a bien été. Bango, sur la Falanga, on a connu Kangote. Même en Kenya, on a connu ça à Bouzoba. Mon solo est destiné pour nous. Mon solo, on a connu ça à groupe armé. En Kenya, on a connu ça à Perdième. Mon collègue, on a connu ça à Bango lundi. Oh yo, président à Kenya, on a dit facilitateur. Alors, qui va pour mon solo, comment on a insulté? Ce régime ici fait la honte du Congo, même à l'extérieur, même à Kenya. Le président Kenya t'a dénoncé. Alors, il y a créé un monde entier. Quand il y a une délégation à Kenya, il y a une délégation à Kinshasa, il y a une à Kenya. Comment peut-on faire confiance à des gens comme ça? Alors, Ndeko Diabanza, il y a un complot des alliés internationaux. Oui, complot des alliés internationaux. Kagame a été valet des Occidentaux. Mais Lumumba na ce que j'ai dit les sucres à Lumumba oyo a comme la maman Pauline yambo ba kangaye alors bagete un jour ba congolais ba ko longa bitumba contre ba ennemi extérieur pe contre ba ennemi intérieur ba ennemi extérieur ya Congo communauté internationale wana bako yana ba komplo na bango mais soki bako kota pe ba appliquer ba komplo na bango ba saleli yango ezali parce que il y a des ennemis intérieurs. L'ennemi extérieur ne peut jamais vaincre ou trouver terreau moko fertile soki ben ennemi intérieur bazalité. Donc ezali combinaison entre ben ennemi extérieur et ben ennemi intérieur de ko sait de Congo ezala à genoux. Et bien, l'ennemi intérieur est allié avant tout des politiques qui acceptent, par exemple, pour qu'il y ait une élection, il y a gagné une élection, mais il accepte que ça va dire pour comment mon conzi, il a sacrifié et les Congo, et les Congolais, et les intérêts du Congo. L'IDPS doit faire introspection. L'IDPS fait ça examen de conscience. Si nous en sommes là, il y a des conséquences lointaines. L'IDP se doit aller faire examen de conscience. Pour nous, nous sommes là, tout comme la situation. Ndeko Diabanza a lobby que le discours a failli et comme le coup de discours de Kagame. Non. Kagame a lobby lundi devant le Parlement rwandais que Félix Tshisekedi a gagné l'élection à Congo. D'ailleurs, il y a une guerre qui continue dans l'Est pour nous. Bah élection 2023 et ça la maté toi fodé yango. Makambo ya kolobane yisembo. S'il vous plaît. Est-ce que mbali boso yo ka mutaza kolobana mondo que Félix a gagné l'élection te? Ma etali ma ponomia RDC est-ce que tali Kagame? J'ai dit Nabi. Est-ce que tali est nani? Tali Kagame te. Kagame c'est un sanguinaire, Kagame c'est un dictateur, tout le monde le sait. Mais na lobby est-ce que makambo lobby que Félix a gagné l'élection te? Kagame mutaza boso kolobana na mokili. Il y a un bimisango benangongo. Non. Alingé a déstabilisé. Là n'est pas la question. Soyons. Menons un débat intelligent et rationnel. Même les Américains ont dit que Félix a gagné l'élection. L'Union africaine. Alingé a écouté de Kagame Awa. Kagame a zara présenté l'Union africaine. Tango l'Union africaine pour la première fois. Na histoire ya histoire d'Afrique. L'Union africaine a suspendre validation par résultat par élection. Pour la première fois. Depuis qu'Union africaine existe. Depuis Oya. Na o monsieur Zakali Kala. Même Sadek. Alobaka, ba résultat, et bien si Félix vainqueur, et Zali Alokuta, cour constitutionnel a validé Angote. Pourquoi l'Union africaine a tindaki président Idriss Déby, ya Tchad, paix à son âme. Idriss Déby a yakatina Congo Brazzaville, awa. Kabila Pekisa yakota, awa. Président Angola. Eduardo Santos, paix à son âme encore, à Outougoukoufa.
Alinga kaya awa pona koloba. Ba résultat wana bimisi Félix Vainqueur les ailes okuta. On doit gagner l'élection et aller féliciter. Président de la Commission Union africaine. Alinga kaya awa. Kabila lobi ba frontière à Congo Mudokota alité. Ça c'est l'histoire récente, non? Mais on parle de quoi? Donc, Oyo, et que ça m'a entre Kaga maintenant Félix, c'est le plan verbal, ils allaient querelle des ménages. C'est ces mariages politiques-là qu'ils ont fait pour besoin de la cause n'engage pas les Congolais. Ma quelle est Félix, n'a Kaga, mais c'est le plan verbal, n'engage pas les Congolais. Ils savent, ma Kamboyo, quand ils vont m'y aller. Disons la vérité au peuple. C'est un peu comme la Bible le dit, les pères ont mangé les raisins et les enfants se trouvent avec des dents agacées. Félix Tshisekedi a eu des accords secrets avec Kagame. Et tant que Maomi Balé, Bakoyo Kanate, accord secret engagé Maomi Balé, c'est les enfants de Kivu qui meurent. Il faut le dire. Si nous aimons le Congo, il faut le dire. Et ça, le col en pota, aux anna tout fina na kati. O le bobo tobolango, misa tout fina. Pobo tia ki se kaou. Nous, on l'ingili kola tout fina, bo tia ki se kosimbate. Tant que Félix cacherait des vérités aux Congolais, si ses accords secrets avec Kagame, nous ne sortirons pas de l'auberge. Et si Katou Kagame a koloba, koloba nini, Félix a respecté l'accord. Félix a respecté l'accord. Bakor, en gros, ali, nini, aïe, psabiso. Quand nous disions ainsi que Félix avait signé des accords, Diabans était en train de nier. Il ne peut se tenter de nier. Mais dans le discours, il y a le 22 novembre 2021, son dernier discours, il y a 13 minutes, Félix a fini par avouer, il y a mon corps. Il y a un corps qui est venu. Il y a un corps qui est venu. Dans quelle langue voulez-vous qu'on vous dise que Félix Tshisekedi fait partie du problème? C'est pourquoi j'ai dit que le soutien doit aller dans les militaires, dans les militaires, dans les fonds, dans les passes, dans les passes, dans les bandes, dans les tiki, dans les bandes, dans les bandes. Il faut proposer, il faut tripler même le salaire dans les bandes. Va tripler salaire à policier pour vous galvaniser Balonga Bitumba. Diabanza Kagame, tout ce que Kagame dit n'engage pas le Congo. Kagame ne nous intéresse pas. Si Kagame a eu courage et a koloba lelo, c'est à cause de Yabino. Diabanza, vous avez un stade de martyr. Mokolo Kagame a ya awa, na kisasa. Il dépêche, vous déroulez tapis rouge dans le stade de martyr. Vous avez pas bien un stade de martyr pour nous. Ba martyr wana Pentecôte, c'est comme Mobutu a bomaka batonga stade wana. Et stade de martyr, bino bo déroulé tapis rouge na Kagame. Pour na makolonaye ya makila, oya boma plus de 12 millions de Congolais, a pangusango suka na tapis ya rouge ya ba Congolais. Na mbonaka Diabanza akobeta maboko. Yo nani, obo ya Kagame, yo nani, obo ya Kagame. Kagame a kiko s'incliner devant Papa Etienne Sekou wa Mulumba. L'IDPC, vous avez posé un sceau de l'infamie à Kinshasa. Et on dirait Hitler à côté de la ville et à Paris après que De Gaulle ait libéré Paris. Pouvez-vous imaginer Mitu Yaba français que vous avez dit? C'est l'IDPC qui a donné sens et sens à Kagame dans ce pays, dans cette ville. Félix est allé passer 12 jours à Goma. Après avoir décrété l'état de siège pour nous préparer à arriver à Paul Kagame à Goma, il a attendu à Goma, Félix a attendu Kagame à Goma pendant 12 jours. A déroulé le tapis rouge dans Kagame à Goma, après lui avoir déroulé le tapis rouge ici à Kinshasa. Le loco, le baké, faillu, le discours, moko na Kagame, nandegen. Les Congolais ne sont pas bêtes. Oui, je comprends que IDPS n'est maman dans le Kuta. Kagame a plutôt Kabound a commis les guides pour connaître l'IDPS. Avant que Kabound à côté de la prison à l'Obaki, vous voulez connaître l'IDPS? Trois facteurs. Il y a le bosso, il y a une maman à mensonge, le Kuta. Il fallait le Azaki 500 000 dollars et pas Kabila. Et Pengue, au Golobananga, et Pengue, à la cravate, au cravate au Kabila, on doit s'embêler. Au Golobao, chaussure, où t'es pas. Au Golobao, cravate, et puis où t'es, et pas Félix, et moi, à s'embêler, et Pengue, dans ma cachette, on s'embêler. Le bikuna bakolobao, pour Fayulu fait peur à l'Union sacrée. Fayulu est le seul qui a refusé d'entrer dans l'Union sacrée. Boluka Kibemba,
bozui bemba bo pese ba ministère bo kaboso pele ba ba entreprise publique na mutu bemba asepeli a continuer sacré à cabina MLC na IDPS bozui katumbi bo pese nyoso bo luka ki fallu fallu a lobi. Je ne vais pas trahir ma conscience et les combats du peuple. Pour les mal restent les mal, les bien restent les bien. Pouvoir à Félix ce qui dit outil na volonté à peuple été à accompagner Félix na musala yoanate le lot où nous en sommes. Mais tozaki na bemba tozaki na katumbi non babi mbisi landa ko be esika maiko chola maiko chola ndena union sacrée. Tous les voleurs, tous ceux qui ont volé de l'argent de l'État sont à l'union sacrée. Tangana na kombo ya trois personnes ba yiban franga l'État ou ba union sacrée tous Kabila mais tous ceux qui ont volé avec Kabila ba union sacrée ce que lingoza a protégé kota union sacrée. Ce que l'ingoza a protégé, c'est l'union sacrée. Ba bengi matata mponyo babi, ce que l'ingoza a protégé, yaka l'union sacrée. Matata boi. Le cours constitutionnel et le bio. Kaka cours na bango et le bio, cours est allé compétente pour juger matata. Après, ba yoko tcha taliban na cours, ya si taliban ya ya, le cours est commis compétente. Le bio kuna cours, ango yoko le bao, Félix n'a pas été élu. Et ba les résultats, ba publia kipe, na donc, comme on a populisme, on a été passé. Il faut chuter, principe. Il faut chuter. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le collaboratoire qui n'a peuple congolais, pendant 4 ans, que Kagame est l'ami de Félix, ce qu'il dit. Kagame est votre allié. Le collaborateur Kagame a comme ennemi. Bon, on n'a pas qu'à expliquer peuple. Nous sommes d'accord pour l'unité. Mais vous ne pouvez pas. Félix arrive au pouvoir. Tant que Kabila a nommé. Discours, Kagame a allié Nangaï. Kagame a moninga Nangaï. Yena Kagame Baza à tout moment dans ma conférence. Baza ko bête dans ma boc. Félix est allé au Rwanda, maman. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que Bato va koufa na est en bouc à la biso. Va koufa l'icola, va dégâts collatéraux. Donc, on dit à Banza, je te connais un intellectuel de haute facture. Vous êtes un jeune comme moi. Ce que Félix a fait aujourd'hui, ce ne sont plus des erreurs, ce sont des fautes. Et quand il y a des fautes, on bat. On bat. Monsieur Félix Tshilombo est allé au Rwanda, il a dit devant les Rwandais, les peuples rwandais, que la guerre de l'Est est avant tout l'affaire des Congolais entre eux. Et que les gens qui meurent au nom qui vous aussi de Kivu sont avant tout les conséquences des dégâts collatéraux. Est-ce que vous pesez, sous-pesez ces mots de Félix Tshisekedi? Et vous voulez que le peuple vous suive? Yo, qui est dans Rwanda, au lobby, qui est au Batouba Koufaga, na non, qui vous n'a dit qui vous, les alliés, na massa, ça va congolais, bangomoko, na ba dégâts collatéraux, ça dit que babomaga bango, ba la mogote, les autres bêtis, nan zetel, ça c'est décoché, et que bêta moto. Et ça, un philosophe américain, à l'obaki, tout celui qui oublie son passé est condamné à le répéter. Madame Nadine, émission a eu un caractère pédagogique. Moi, nazar okula ndeko na diabanza te, atoka bosa ne science na ye, ngai na kubosa na science te. Tozali na 2012. Yoka o ide pesa lobaki. Moto a yebesika wutite. Akoyebesika okenda te. Le 6 septembre, il y a déclaré à IDPS. L'Union pour la démocratie et le progrès social, IDPS, a acquis ce jeudi 6 septembre le président de la République, Joseph Kabila, de haute trahison et a exigé de le déférer devant la justice congolaise. Le parti d'Étienne Tshisekedi reproche à Joseph Kabila d'avoir signé des accords secrets avec le président Paul Kagame du Rwanda. Le porte-parole du gouvernement, Lambert Mende, a nié l'existence de tels accords, accusant à son tour l'IDPS de faire la propagande de Kigali. Pour l'IDPS, Kinshasa a caché au peuple l'information relative à la présence des troupes rwandaises sur le sol congolais, faisant croire qu'elles s'étaient retirées.
L'IDP se constate que le pays a été tout simplement trahi. Les maintient sur le territoire national d'une armée étrangère, à l'insu du peuple congolais, constitue une complicité avérée de M. Kabila, a affirmé le secrétaire général intérimaire de l'IDPS, Bino Mavungu. Lisant la déclaration de son parti devant la presse au siège de l'IDPS à Kinshasa Limité. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît, madame, je suis... Merci beaucoup, mon Lamboka. Ça, c'est Yaliboso, na vodi kouta moulayi. Oh, l'ingotan, la déclaration, la bangonia, soit 2012. IDPS a effacé mémoire en aïe. Yoka, moi, le comment mouke. Wana radio kapie. Yoka, deuxième déclaration. L'opposition congolaise veut une mise en accusation pour haute trahison de Kabila. Une vingtaine de partis de l'opposition de la République démocratique du Congo a demandé qu'une mise en accusation pour haute trahison soit lancée contre le président Joseph Kabila suite au regain d'instabilité dans la province du Kivu. Nous sommes en 2006. Voilà, merci ici, beaucoup, Prince. On va revenir après. Ici, l'IDPS, en 2012, a accusé Joseph Kabila de haute trahison. A Sengi Parlement a destitué Joseph Kabila pour la haute trahison. Pourquoi? Parce que Joseph Kabila a signé un accord secret dans M23, à cause de ça qu'il va militaire rwandais. Na Ougandais, na Mbokanabiso, c'est ça que le peuple a yéba. C'est exactement la même chose que Félix a fait. Il a fait entrer des troupes rwandaises. Il reconnaît son discours le 22 novembre 2022. Il a signé des accords. Il a retourné à député en parlement. Le député a dit tous les accords Félix a signé par Rwanda, par Ougandais, tout le monde a été monaté. Quand il y a un Kamboyo, il dépasse. Il n'a pas été en train de se reprocher à Kabila. Quand il y a un Kamango, tant que Félix a été avec ça, tant que le 28 octobre 2000. 19, il y a quelqu'un qui a un 23, à l'objet, à quoi intégrer Bango na Congo, à quoi intégrer Bango na gouvernement, à quoi ça va en armée. Aïe, à sa mutualisation des forces armées rwandaises, à quoi ça va en Congo, sans que parlement, sans que former un peuple. Quand les mêmes choses. Donc, merci, ici, Prince, merci. Sans que vous dénoncez la Cambéo, Prince, on doit donner la parole. Nous n'avons rien à voir avec la Cambé, mais Bino y dépêche. Prince, Bota la Sima. Bozonga Batu. Merci là, beaucoup, Pengue. Merci. Vous avez commis des fautes graves. Et quand on commet des fautes, il n'y a pas d'excuse. Ok. Pour barrer Yango. Donc, la personne de M. Félix Tshilombo est fautive dans cette affaire ici. Voilà pourquoi j'ai dit au peuple congolais, nous allons rester soudés. On doit terminer, Pense Pengue. Mais quant à M. Félix Tshilombo, tu as qu'à exiger. D'ailleurs, il y a un dégât catholique qui va s'engager. Monique, il y a un peu Bino Lamouka, Prince Pengue, s'il vous plaît. Les catholiques ont demandé. S'il vous plaît, Prince Pengue, merci beaucoup. Les catholiques ont demandé que le Président de la République ait tous les accords qu'il a signés avec son frère Kagame. Merci. Allons, Lamboka, la personne a été. Merci, Prince. La communauté pays de l'Est. Diabanza, vous avez la parole. Merci beaucoup, Prince. Merci. Vous avez la parole, Diabanza. Je crois quelque part. A eu pratiquement 14 minutes. Et dans 14 minutes, on a eu à lui. Au Tala, Baloukouta. Oh, y'a Betty. Moi, j'estime quelque part, je réitère en premier lieu ma proposition. Bolongwa na haine à la personne du président Félix. Na question Oyo Tounie, Pona Nini, Kagame Ucholo Bande Kaka Siko Makamba Belection, Bandaka la Lobagite. Ote, wana te le problème. Te, le contexte et le texte est à la qu'important. Toi, il va pas na ni na diye kolo banangongo. Aye kolo banangongo, ndenge moko na mwana mboka Martin Fayulu sans avoir de preuves attitrées. Fayulu est chez lui ici à Faden House. Le président Félix, dans son discours, n'a pas remporté les élections. Ayamba, collègue na yo, ndeko kisel sakweno. Nan kacha ndak na Faden House. Abiso to sili se mission yo na relaxo ba preuve nyonso. Alaxa ba preuve te. Aye devant la justice congolaise a Pessi trois résultats 6 millions Oyo Bandimaki na Suka a Pessi 13 millions Oyo et Utaki na mwana mboka comment il s'appelle déjà Azaï Kona coordonnateur ya dynamique na bango professeur à université ministre à l'époque de Kabila je crois de mine a Pessi a ebi kombo na bien déjà ya mutu na tangi
et leur avocat. Trois résultats. Pour une vérité qui s'avère vraie, Yebaka, la vérité n'était diverse ou pas. Et Zalaka, conséquent. Il ne suffit pas de dire que j'ai remporté les élections, il faut le prouver. Mais devant Awa Poseto Talaki, aucune preuve. Baye, n'a pas papier de toilette, n'a moutou, pour baye kouye bisabato, que nous avons de preuves, pendant que il a des éminents avocats, oh baye bis, ce n'est pas sur le banc qu'on amène le preuve épaisse à Maka déjà, même n'a parti défenderesse, parti au Yofundi. Mais malheureusement pour nous, ce qu'il était en train de faire, c'est un théâtre, comme mon ami Epengue tente de le faire aussi aujourd'hui. Et le même discours à Enango Lelo, mais pas sur Nayoki, Naroyoke Epengue, politicien d'avenir, Kobeta Lissolo, pour la première fois, Union Europe, Union Africaine, et Yekoloba na Congo. Mais Union Africaine, on est Yekoloba na Congo. Tant Yekoloba, Kagame a déjà été élu deux ou trois fois. Pour Nanini Eloba qui pas n'a été parlant de ces élections, il a été bien élu. Union africaine wana oh ya linga tanga dos Santos. Dos Santos wana na Union africaine et mon équipe élection pas na été. Union africaine wana ya tangi et mon représentant s'assouté. Mon frère, soyons sérieux. La crédibilité de la structure qui est en train d'alléguer bah fait est réellement importante. Mais tant que nous obéit à l'isola, il y a Yomoko pour insister pour la première fois. Malaisie comprendre, ça n'a rien à voir avec l'Union africaine. C'était une stratégie définie pour le contexte afin d'atteindre d'autres objectifs. Ça n'avait rien à voir avec l'Union africaine. Pour ceux qui ont réellement l'Union africaine, il y a Betty pour la première fois. Et il y a Yomoko Kagame pour l'élection et ça n'a crédible. Et c'est un sanguinaire. Il l'a dit. Et il reconnaît que chez les élections, ils ont raté. Mais Kagame a eu souci. Il y a eu l'ouka élection et ça n'a pas moutou moussous. Il cite Dos Santos. Pas dans les élections, ils ont raté. Mais il y a eu souci. Il y a élection à Congo. Mais ça me fait très mal, mon frère. Allez-y comprendre. Et tu le dis très bien. Je suis d'accord, le complot est international. Il le dit. Mais de ce complot international, quand il commence à évoluer, rien à voir dans le complot international, complot comme il y a Félix. Azon di manaye na conclusion complot international jeune Afrique mtebeta ki li solo ya pourvoyeur ya bloc patriotique ezaki Kabila nazo beta masolo te o nga la logoti na barabara eza jeune Afrique mtebeta ki li solo ya pourvoyeur ya marche ya bloc patriotique ezaki Kabila mais ils ne savent pas que na jeune Afrique ba funda e ende toza awa eloko kabola bango na Kabila eloko kaboli bango na Kabila na ba catholique eza hold up. Ya Congo. Tant que ma papa soit les bimieux, la tsané, Kabila, Zoï, Bambongo, Babrakaka, banque. Mais ici, ce n'est pas la banque. Ce n'est pas qu'on est en train de braquer une banque, mais les banques sont en train de braquer l'argent du trésor public. Son Yuan et Saraki, bah, catholique. Dans le monde entier, partout, vous êtes en boulot, ni beaucoup, Sanganana Moutou, à braquer trésor public. Ya un catholique, à Zonga et Moukessima. Mais il est en train de citer les catholiques. Mais les catholiques aujourd'hui, leur crédibilité par rapport au discours. Et comme les Congolais comprennent qu'ils ont un discours très ambigu. Les gens comprennent. De la même manière, le président Martin Fayulu, le discours du président est très ambigu. Comment? Quand Oiseau bête à ma solo. Mais c'est ça, ma soeur. Le président Martin Fayulu, Azala qui a un lobby. Catholique, Seigneur bête au suspendre participation. Il y a que catholique, une marche, il y a présent. Il y a Ade Kongo Libanda, Bazo Ganga, Awa, na place na Bango. Il y a siège à Katholi, Senko. Ndeko na biso ya Abe Chole, a continué le document, où le peuple congolais est dehors. Le peuple congolais, comme Gaga, est sidé, na Ade Kongo. Mais c'était malheureux. Les gens lui ont dit, le peuple congolais, c'est cette partie des gens qui sont venus réellement vous donner ces documents. Nous le savons. Et nous le savons. Ces discours ambigu et c'est battu la difficulté, même lorsqu'on est en train de faire ici sur votre plateau, dans la Nissango, Kotou, na Abe Chole, l'isola ba smartphone. Tu es bien où? L'isola ba smartphone. Nous comprenons tout ça. De ce complot international contre le Congo, complot ana, banga ba salango contre les élections. Mais malheur y a battu nyonso, bakoutani na mur. Mur wanzanini, UDPS.
Et c'est l'UDPS, mur haute, ça dit que le complot international est bandé à échouer dans Mbokoyo. L'UDPS. Bien sûr, en premier lieu. Pour Nanini Bisso, l'andanga bala mou maman, pour Nanini Bisso, nous avons des militants les plus engagés du Congo. Wana na landi li soussou. Moutoumo wana mouka golobango. Ndeko. L'ancien premier ministre Adolphe Muzito. Moi, l'amboka, bati pa, kende kotia, nini, soutien à yena katia marche. Hein? Je n'en discute pas. Mm? C'est son point de vue. Mais na yebisio li solo. Mir bolobio, ben il na yebisio li solo, oyo mur ya mounene ya Congo, oyo. Ndeko Adolphe Muzito, à l'obango sur le média. Le combattant le plus engagé ya Congo, ils ont rabattu à IDPS. Et si tu as des combattants comme les gens de l'UDPS, ils ont difficile quand vous levez les options ou échouer. Et la preuve à mon ni monani awa, na Congo ni Lokoana, c'est l'affaire Ansar Malonda. Lucha, et bima les 7 juillet, bisoto bimi 13, après nous, président Yalamuka Babimaki, Basukagi na Tchango. Après nous, CLC, après CLC, PPRD. Bisso sur le 26 provinces du Congo, 21 en ébullition. Bino Bobimaka a pamba la Kinshasa, ba marche moussous pour reporter. Oeza en différé. Mais initiative de la marche, preuve... c'est une quoi qui m'a bien sûr, c'était pour le Congo. Je ne dis qu'on vient pas. Mais non, on a la marche pour le Congo. Parce que si on a la marche pour la Russie, on a la marche pour la France. Il y a des marches pour des intérêts partisans. Ça arrive. À toute partie politique. Ça arrive. Il y a des marches pour des intérêts partisans. Mais il y a des marches pour la retombe au il y a des marches pour intérêts talipati. L'idée à partir à Yébissi Bino mérité à Nelo qu'on poursuivre. Balongo litom sous Tata Nayaza au Koko Jérété quelque part, a dit président de l'Assemblée nationale, au moins un chef à partir à Bando Leka, à Bando attaquer le régime parce qu'il a frustré. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt de la République, ça arrive. Nero Lissanga Bonganga, en privé, il a des choses qu'il dit. Nana moni Ndeko Frank Dion Rotomboka, na Platon Abino, pour batounier question, et loko nini Ndeko Félix Tshisekedi a changé, oh yo moni Fotika. Et nous savons pourquoi il a laissé Peter Kazadi passer sur vos antennes pour vous dire qu'est-ce que Frank Dion lui disait en privé. Mettons en compte ta marche. Mettons bien pour notre soutien à FARDC. Alors ça, la sous-marche pour l'intérêt à Congo, à comment ça marche, pour notre FARDC. Et ça arrive, maman. Et de preuves, dans le pays, soit en légion. Na robaxa ba disanga bonganga o na yebisa ope na li solo na beti ya bloc patriotique ton mbongo ebimi yé pas un acteur jeune afrique lobby principal pourvoyeur ya ba marche ya bloc patriotique c'est monsieur Kabila le mal c'est Félix le bien c'est Kabila wana bango basangani na ye muto sali hold up a na kati ya mboko yo. Après, c'est venu pouvoir. Pouvoir, toujours en grâce à Pepe. Prince Pepe, Congo est connaître crise moko récurrente. À ça, la science politique, foyer, bah, on a histoire politique du Congo, c'est toujours répété. 1960, président Kasavubu est président et le premier ministre Lumumba. Trois mois après, premier coup d'état de Mobutu, diarchie au sommet de l'état. Deux leaders au sommet de l'état et un coup d'état trois mois après. 1965, président Kasavubu, premier ministre Moïse Nchombe. Six mois après, coup d'état Yamobutu. Deuxième coup d'état Mobutu et Vandisi Mobutu. 1992, leader Tshisekedi, président Mobutu. Manka Oyo Kanana diarchi au sommet de l'État, coup d'État Muzeye. Mais Lelo, nous avons connu la même histoire. Et le président Félix a été capable de dénouer Kabila sans pour autant qu'il y ait eu coup de balle. Donc, une crise récurrente que nous avons résolue grâce à la compréhension de l'histoire. Tant à l'eau banangaï, tant à l'histoire, tant à l'eau mieux payé. Tant à l'eau bête à l'histoire 2012, il doit comprendre une chose. Nanya Tchaki UDPS Maïna Mounoko, si ce n'est pas Kamere, il était le président de l'Assemblée nationale. Et en tant que président de l'Assemblée nationale, il nous a dit que l'accord était secret. C'est l'institution qui est en train de parler. Nanya, ce n'est pas nous qui parlons en premier lieu, c'est l'institution. Il a été déchu de ses fonctions à cause ya Kizwana. Et nous, nous avons parlé pourquoi. Lui qui devait avoir les informations à FC Bisso, l'accord était secret. Et il est en train de comparer l'accord de Goma qui s'est fait au su et au vu de tout le monde. Et le président vient de le répéter encore. Nous n'avons pas honte de le dire. C'était un accord en échange
à échange économique. Nous avons compris que nos frères de l'autre côté veulent quelque chose par rapport à nos richesses. Or, Obiso, Tosorolara à Dubaï, Tosorolara à Grande-Bretagne, Tosorolara à Chine, Tosorolara à Italie, Toyebissier désormais salaire à finance, il y a or, il y a Sokolaka. Et sans Osorola or, or est commis à Yoté, sans Osorola or et permettre on des bons or et on doit futa pour Sokola or naé, on doit quelque chose. Mais Kendara Dubaï et Kendara Nino n'avaient pas de raffinage ici. Le tout premier salami na Bukavu. Et tant aux Olingato faire profiter Elokoana, Ezapo, on avait réellement besoin de la paix. Et c'était cet accord avec Sakima. C'est de cet accord, il y a Ronde Tozorobet Alisolo. Accord, il y a Air Rwanda. C'est cet accord-là dont on est en train de faire allusion. Mais malheureusement, il vient de parler des accords qu'on n'a jamais vus avec le M23 2019. Oh, jusque-là, il y a un accord allé na TV. Accord, il y a Kabila na président Félix. Na ba toi perdre na bangou nan ba brandisate mais moi mboka di ya bandi les kambo ya Kagame ya les kambo ya lingi penza ko zo contrôle sur le plan politique économique ainsi que militaire ya parti est et république ya li mala monté les alliés na besoin ya richesse na la qui sur le lokomoko est important par rapport à notre histoire que Mobutu avec Kagame il n'avait aucun accord Mobutu de l'on lien à pouvoir. Et Mobutu a négocié avec le président Mouzé à deux reprises, ou Tenika 1 ou Tenika 2. Malheur, il n'avait aucun accord avec Kagame. Le complot était défini à partir de l'Ouganda. Et en Ouganda, ils avaient déjà décidé, appui à Belgique, et à cette époque de la transition, Moutalanda est déjà politique, net, il y avait la Troïka ici. Et la Troïka était en train de gérer le Congo, net, ma proconsul, mon corps. Belgique, France, États-Unis. Et ils avaient décidé de la Troïka, pourquoi? Ils étaient en train de dire que le pouvoir de Mobutu est acquis de plus en plus difficile dans la gestion. Il fallait voir dans la mesure du possible, n'ayant ni droit de l'homme, et à la respecter. Mais bah, et de ce pouvoir, ici, ce n'est pas une question d'accord. C'est une décision extérieure contre nous. Et de cette décision extérieure contre nous, depuis Mobutu, Kagame n'avait aucun accord avec Mobutu, mais il a fait mal à ce pouvoir et le pouvoir est parti. Et on a mousé, Oyo Kagame, Sala qui n'est produit naé, a commis Awa. Tant a commis Awa, mousé, à la fin, il a fini par comprendre quand la corde patriotique et la mouki a katana Kagame. Mais c'était difficile pour lui, la guerre l'a emporté. Tant où il y a Zobet Alisola, présent Félix, pour fuir l'histoire, il doit comprendre tout ça. C'est une question d'un complot international. Et de ce complot international, ceux qui sont congolais, nous avons comprendre que les gens en veulent à nos richesses. Il y a un vendissant à prise menaïe à caractère politique. Le Congo risque encore de sombrer. Il faut Nekoyo, Ayaka Mingina, ma proposition qui peut permettre au Congo d'aller de l'avant. Et c'est ce que nous étions en train de faire à cette époque-là. Pour proposition, il y a accord global et inclusif. Et ça fouille, il y a Bissou UDPS encore une fois de plus. Kokende Sam City, c'est nous encore une fois de plus. Pour Baron Nyonso, Bakendaka Etchoupi. Et c'est le président Tshisekedi encore une fois de plus dans son génie, le président Tshisekedi de Mulumba, Moutouyara la solution. Et l'accord a cessé le feu. Il y a Lusaka et Salaki, tout signé, Naba Rebel, na ba pays voisin. Mais cette fois-ci, Toke Nairobi, sans ba Rebel. C'est déjà un élément de taille. Et de cet élément de taille, tant baso beta di sola. Tiwéri peut qu'on continue kak hein. Bien sûr. Pas si la biso. Voilà. Et dans les démarches, nous voulons réellement encore des enquêtes pour Makambo qui chercher et permettre que responsable bas à l'indexer et poursuivi en justice. Nous sommes dans tout le front. Et de tous ces fronts là. Bena défensive. Et de passer aux actions, même s'il faut bombarder. Les lots sont au bête à l'isolo. Nous t'a commis réactionnaire, c'est Kagame. Il est en difficulté. Kagame parle peu. Nayo qui sou passe Ndegonara Koloba pendant que le président Tshisekedi était mort, le président Tshisekedi wa Mulumba, le déplacement d'un président de la République ici. Batiela est tapis rougité. Ndenge to tchela ki Kagame, ndenge to tchela ki Sassou. Et il ne cite qu'un seul nom. Atangi bakomba ba président Moussouste au bassement. Po bayako. Ko honorer mémoire
il y a un guerrier africain, quand je dis guerrier, guerrier en termes de Kagame était sanguinaire, un guerrier de la démocratie qui nous a appris à être combattants, bah, être honoré, il fallait pas présent, na, bah, na kacha matanga. Il y a une sagesse africaine qui dit, même quand l'ennemi vient te voir pendant le deuil, bah, yambaraye. Ça, c'est une sagesse africaine. Mais nous avons levé l'option de collaborer en termes de change économique. Et le président Félix Tshisekedi a dit au président Macron, j'ai pris le risque. Le risque, il y a qu'on me met Tina Goma, place à Salaramabe, Poto Lukana Kimia, Nengenini, Mbogana puisse se connaître paix. Mais le frère n'a toujours pas compris, parce que pour lui, il faut avoir la richesse, na biso na lolenge ya lingeleli. Cette fois-ci, nous allons jusqu'au fond. Et na rokende na fond. Maintenant, qu'est-ce qui nous manque, la République démocratique du Congo, par exemple, de massacrer Nangambokuna ya Rwanda? Donc, il y a la Bandeko ya Goma, baza bandeko na bandeko ya Rwanda. Bandeko ya Rwanda, vous ne pouvez pas demander au Congo d'agir dans la barbarie. Pour Rwanda, c'est la barbarie. On ne peut pas. Torokendo ko massacrer ba Rwandais. On a un problème contre Paul Kagame son régime. Ça, c'est la chef de l'État annonce officiellement. Nous devons défendre. La guerre, ça sera contre l'armée rwandaise. Non, pas contre le peuple rwandais. Guerre yali. Na komona déjà boyani. Nenga toza boye. Ah matalikolo assemblée nationale a lobato. Tala ba patozui. Tala ba patozui. En premier lieu na musée babenga kiango rébellion RCD. Et na Mobutu babenga kiango rébellion AFDL. C'était difficile Rwanda monana. Na musée rébellion RCD Rwanda participait na corps à Lusaka. Na Kabila rébellion ya CNDP rébellion M23. Mais aujourd'hui le monde entier est en train de reconnaître que les M23, même Mouto analyse né des fois, ils ont vacillé pour la simple et bonne raison. En a pris maintenant Zotalala. Ils ont reconnaître que les Rwanda, Moutazo Sala mal na Congo par le M23. Voilà, et partant de ces éléments, partant de ces éléments, nous avons déjà fait un pas. De ce pas, tant Anthony Blinken a commencé à Rwanda, cesse de soutenir, c'est encore un autre pas. Tant Oulelo, le député européen, est en train de dire que. Il nous faut des sanctions contre le Rwanda et non contre la RDC. Alors, ben, moi, côté Tommy Balete, je suis raison avec lui. Je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. L'ambassadeur de la culture congolaise, Neko Gims, a porté voix. Nous allons prendre des porter voix. Pour à la fin, Tosuka na position au Congo Mobimba. Et il y a déjà banda. Ennemi identifié. On souffle un peu. Alors que les autres politiciens restaient dans leur bureau climatisé, les dimanches, Ogui Kalonji, avec sa fondation Fouca, inauguré un pont à Kansita et procède au lancement de l'implantation des lampadaires à Tchangou. Et cet élément encore, conflit de Kwamouth. Plusieurs personnes continuent à perdre la vie. Les sources contactées affirment que les faits seraient commis par les hommes en uniforme envoyés en renfort pour stabiliser cette partie du pays. La RDC est une et indivisible. De la population électorale, c'était il faut tout arrêter pour faire face à cette situation. Et que nous ferons de cette terre richement bénie un réel havre de paix, de prospérité et de progrès social.